L'économiste américain et professeur à l'université Columbia, Jeffrey Sachs, a dénoncé l'initiative américaine contre Meng Wanzhou, cadre dirigeant du géant chinois des télécoms Huawei. Le professeur Sachs a écrit un éditorial intitulé « Les États-Unis et non pas la Chine sont la véritable menace contre le droit international ». L'article a été publié dans un journal canadien, The Globe and Mail. Le professeur Sachs décrit l'initiative américaine comme étant une choquante rupture avec la pratique. Il donne les exemples d'entreprises américaines punies pour avoir enfreint la loi. Il affirme qu'aucun de leurs dirigeants n'ont été arrêtés dans un avion et mis en détention. Il écrit que si les États-Unis veulent désormais arrêter des dirigeants pour des allégations de malversation contre leurs entreprises, ils devraient commencer chez eux afin d'éviter l'hypocrisie. Jeffrey Sachs a aussi dit que la guerre commerciale que Donald Trump a lancée contre la communauté d'affaires chinoise est seulement géopolitique et n'a rien à voir avec la défense du droit international.